Adelante, cambiadores, a labor del Arlanzón. Demostrad que los mejores siempre juegan con el corazón. Sobre el césped leal del navío, sentirás con amor nuestra fe. Que te quiero rabiar cuando ganas, y si pierdes te quiero también. Tus colores serán mis colores, tu valor será nuestro valor. Vamos por los ángeles, vamos por los ángeles. Por quien bien te quiere, no hay un once ni lo habrá que a tus once los supere cuando saltan al campo a luchar. Sobre el césped leal del plantío sentirás con amor nuestra fe. Te quiero también. Tus colores serán mis colores, tu valor será nuestro valor. Vamos por los a vencer, vamos por los a ganar.
Et bonjour. Eh, sympa, hein. Sympa, lui. Je vous remets la deuxième. Le temps de faire le café, j'arrive. Celle-là, elle est bien, regardez. Écoutez, écoutez, écoutez. Oh ouais, stylé là. Oh ouais, stylé. Bon allez, on est parti. Nouvelle carrière manager avec Burgos, club de D2 espagnol. Oh, zoom, il est fort, hein. En vrai, me hype à force de l'entendre. Plus je l'entends, plus je l'aime bien cette musique. Bon allez, trêve de plaisanterie, go FIFA. Alors par contre, go FIFA, là, c'est mieux. Et voilà. Oh, Archa, comment il va? Manager, John Bolo, bien évidemment. J'étais étonné que ça soit lui, j'ai regardé tout à l'heure en préparant le truc. J'ai fait, c'est John Bolo. J'ai fait, ok. Je ne savais point. Bon, en tout cas... Nouvelle carrière manager, donc avec Burgos, D2 espagnol, et la nouveauté, c'est que on a mis des sliders. Oui, 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 ça y est, slider, parce que j'en ai marre d'avoir des trucs chelous. Donc là, je fais des tests, j'ai trouvé des trucs à peu près cohérents, j'ai un peu fait à ma sauce aussi. Je sais pas où je peux vous le montrer, paramètres. Et ah oui, alors déjà la caméra, j'ai changé. J'ai mis à 100. J'ai mis à 20, zoom 0, focus opposé, je l'ai mis à 15 et un vitesse de suite ballon de 1. Alors zoom surface, bon, c'est histoire de voir l'oxy un peu plus près, ça on pourra peut-être le remodifier un petit peu. Ça va et toi? Bah moi je veux bien, tranquille, je suis en vacances cette semaine. Tranquillou. Arsenal gagne. Ils ont tout gagné là. Bien ça. Et là voilà, ça c'est les sliders les gars, si vous les voulez, vu que c'est ça une rediff YouTube, vous pourrez mettre pause et vous mettre les différents sliders que vous voyez à l'écran. Voilà, tout ça, j'ai gardé les mêmes que l'année dernière, hein, qui est beaucoup de blessures mais pas très grave, toi, comme en vrai. Il y a toujours, comme j'ai toujours dit, il y a toujours des petits contacts, on sort pas d'un match en étant en frais, quoi, il y a toujours des petites blessures. Et j'ai modifié plein de choses. Voilà, pour la L1, c'est pareil pour l'adversaire. Et puis, voilà. On est parti. Alors, l'équipe joue en 4-4-2 à plat. Le schéma le plus équilibré qui existe dans le football. Il n'y a pas mieux que ce schéma-là. Tu vois, un schéma équilibré, c'est celui-là. On modifiera, nous, peut-être. Possible. On va voir l'effectif. Et transfert, on verra après. On verra après. Alors, vous le reconnaissez, lui, hein, Badiachil, c'est le frère à Benoît, qui était aussi à Monaco. Il est parti à Burgos. Eh ouais, on a Derea. C'est pas le vrai Derea, hein, c'est son petit-fils, peut-être. Alors, du coup, devant, on a deux BU, c'est MC, MDC, MD... Ah, un MD qui joue à gauche, mais il peut jouer MG, il a 4... Oh, il a 5 mauvais pieds, ouh.
Toujours invaincu en PL. Oh nice! 7 victoires, 3 nuls. Premier de la poule de Ligue des Champions. Nice, bon début de saison ça. Bon début, bon début. DG, DC, DC, DD. Ok. Et Garnier il est pas mal, 75, c'est ok pour une D2, non? Et là, alors, on a MGDG, MGDD, MD, pardon. MCMDC, MCMDC. Un vrai DC, un DD et un gardien. C'est pas dégueu. Le banc est pas dégueu. Il nous faudrait un vrai BU, par contre. Ah mais en vrai le match de Lille je le compte pas hein. On avait pas de défense à Lille. Sur 11 joueurs on a 7 blessés. On n'a pas le droit au bonheur à Monaco. C'est un délire. Mais Monaco très agréable hein, cette année. Comme je le dis hein, je suis le premier à critiquer Monaco quand ils font de la merde. Ça fait 3 ans que Monaco on se fait chier à regarder hein. C'est nul à chier à regarder Monaco. C'est rompiche de chez rompiche. Et en plus ils font des contre-pères. Donc il n'y a rien qui va. Là cette année ça joue très offensif. C'est très beau à regarder, parce que tactiquement, il y a des trucs, vraiment, c'est stylé. Ce que UT est en train de faire, c'est très très bien. Par contre, c'est très risqué, parce qu'à chaque fois, derrière, du coup, tu te retrouves très vite en 1 contre 1. C'est-à-dire que si tu te fais choper dans la surface adverse, enfin dans les 25 derniers mètres, ça peut partir très très vite. Et après, les défenseurs, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est 1 contre 1. Si tu rates ton 1 contre 1, t'es en infériorité numérique et ça peut faire but à chaque fois. C'est très risqué ce que fait UT. Mais par contre, c'est beau, ça joue, c'est tactique, paf, 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 ça va de tous les côtés. Monaco, donc c'est la meilleure attaque, et Monaco a 10 buteurs différents. C'est pas un, ouais, il y a notre BU devant, et puis on fait le taf pour lui. Non, Monaco a 10 BU différents, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le danger vient de partout à Monaco. Cette année, le danger, tout le monde peut marquer. Voilà. Quand t'as 10 joueurs différents qui sont capables de marquer, c'est un truc de ouf. Là, le match face à Lille, on n'avait pas de défenseur. C'est déjà le match d'avant face à Metz. Heureusement que c'était que Metz. On a réussi à serrer les fesses et on a réussi à gagner. Mais derrière, on a été obligé de mettre Crépin Diatta arrière droit. Déjà, quand tu le mets à son vrai poste, c'est pas ouf. Mais alors, Crépin Diatta arrière droit, frérot, tu sais que là, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur le banc. T'es limite en train de prendre le jardinier pour le mettre sur le terrain. Jacob Dagoul, bon, il est toujours aussi. Voilà. Et du coup, en charnière centrale, on avait Matsima qui est nul à chier. Qu'on a prolongé, mais il est nul à chier. Et on avait Singo qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et là, face à Lille, ça a été une catastrophe. Face à Lille, on a plus de défenseurs. Là, d'ailleurs, Monaco, est en train de voir pour un joker médical. Parce que vu qu'on n'a plus rien, et il y a la CAN qui va arriver. Mais la CAN au mois de janvier, Monaco, ça va être une catastrophe aussi. Hein. On n'en parle pas encore. Regardez bien l'effectif de Monaco. Quand il y aura la CAN, on va se faire décimer. On n'a plus d'équipe. Donc, on jouera avec des équipes de pendant un mois. On va jouer avec une équipe de CFA. Voilà, ça va être très drôle. On va bien se marrer. On va très bien. Ça va, ouais, on va avoir des trucs, les gars. Je crois qu'on n'est pas prêt. Hein. On n'en parle pas encore assez, mais je vous jure que ça va faire bizarre. La CAN à Monaco. Wouh, ça va être sportif. Bref. Ah, mais la moitié de l'équipe qui part à la CAN. Il y a la moitié de l'équipe qui part. Mec, t'as Jacob, t'as Diatta, t'as Singo, t'as Camara, tu vas avoir... Attends, faut que je te retrouve, mais c'est un truc de où je l'ai vu passer, le machin. Alors, attends. Tu vas voir que c'est un délire. Je te jure, je suis pas prêt hein, pour le truc. Et c'est pour ça que Monaco, ils vont lever leur joker médical, là. Parce que... sinon, déjà là, ça va être compliqué. Mais en plus, avec la CAN, ça va être baisé. Hein. Du coup, on aura... Bon, bah, Salisu, s'il revient. Attends, il y a des trucs bizarres, là. Pourquoi lui, il est encore à Monaco? Bon, bref. Donc, on a Salisu, qui est encore blessé. Il revient petit à petit, là. Mais bon, d'ici mois de janvier, il sera opérationnel normalement, c'est ce qui est prévu. Du coup, on va voir Babaï qui va partir, Matsima, Singo. On va avoir. Putain, mais attends, mais il y a un truc qui est tout mélangé. Attendez, c'est quoi ça? Attendez. Foot Mercato, nique ta mère. Il est où le site de Monaco?
Allez, action, s'il vous plaît. Oh, ça... Ah ouais, mais tu me les mets comme ça, frérot. Ah, attendez, faut que je trouve un truc. Je l'ai vu passer, c'était un délire. J'ai vu le machin, j'ai vu... Oh, mon Dieu. Ah, là, peut-être. Voilà, là, on va l'avoir. Donc, j'ai 10, Salissou. Ah, mais Matima, il a pris la double nationalité. Donc, peut-être qu'il va peut-être rester. Je sais plus comment ça va se passer. Donc, Singo, Camara, Jacobs... Non, mais attends, mais il y a des trucs avec leur double nationalité, je suis perdu. Si je la retrouve, je te la montre. Je te la mettrai sur Discord ou je te l'enverrai en MP. Mais on va se faire décimer. C'est. Ça va être un bordel. Jacobs, il est plus allemand. Jacobs, il est sénégalais. Sénégalais, mais c'est vrai, avec leur truc de nous, double nationalité, maintenant, c'est un bordel. Sauf à score. Alors, sauf à score. Du coup, football. Faut quoi? Je tape directement le club dans la barre de recherche? AS Monaco. Ouais, ça va être ça. Ça doit être ça. Ouais, mais ils mettent le nom des joueurs, mais ils mettent pas leur nationalité. Ah, je l'ai vu passer en plus sur une des pages que je suis de Monaco. Ah si, en bas. Ah mais c'est pareil, ils mettent pas le... Ouais, ça va être... Ouais, grosso merde aussi, ça va être ça, ouais. Bon, déjà, t'as toute la défense, hein. Tu regardes, tous les joueurs défensifs, ils sont pas là. Plus un milieu droit et un milieu axe. On a 5-6 joueurs qui repartent. Ça va être un délire. Sans compter les blessés, les machins, les trucs. Je te jure que j'ai pas hâte. J'ai clairement pas hâte. Bon. On va garder Caro. Est-ce qu'on reste en 4-4-2? En vrai, on peut tenter 4-4-2 pour le moment. Centre de formation. Alors. Donc on va être axé, bien sûr, espagnol. Hein. Burgos. Je crois qu'il y a un ou deux français ou un truc comme ça. Sinon, tout le reste, c'est que des espagnols. Hein. Espagne. Donc, France, le frère de Badiachi qui est à Monaco. Qui lui aussi est à Monaco, d'ailleurs. Venezuela, Espagne. Voilà. Ah, un français. Kevin Appin. Oh, ça me dit quelque chose, lui. Kevin Appin. Il a joué dans le championnat de France, lui. Il était pas en D2, en Ligue 2, quelque chose, Kevin Appin? J'irai regarder, son nom me dit quelque chose. Vous voyez, c'est que de l'Espagne, à part 3-4 pingouins. Donc Mercato va être axé très espagnol. De toute façon, là, j'ai envie de te dire, à part lui, peut-être... C'est quoi? Tout le monde en... Allez, à part lui, je le garde. On va le faire travailler. Oh, il a double poste DGDD. Ça, c'est bien, ça. Ah, il était à Monaco, à Pain. Il joue avec la réserve, c'est pour ça. Je croyais que c'était la D2, mais il était en réserve. Donc, il y a deux monégasques, deux anciens monégasques à Burgos. Vitesse, c'est pas mal. Bon, il n'a pas d'endurance, bon, il a 15 ans. Interception. Si je le fais jouer comme ça. Et ce con, il a gagné la Gambardella avec Monaco en 17, 2017. Donc il a joué quelques matchs avec Mbappé. Kevin Appin. Putain, je me disais bien, son nom m'avait... Ah merde, il est trop jeune. Quasiment. Pas à 100%. Mais ça va être quasiment d'Espagne. Hein. On va rester. C'est la fibre Burgos. Un ou deux Français. Et peut-être un limitrophe ou un truc comme ça. Et c'est tout.
D'ailleurs, on y va maintenant. Non, on va pas aller maintenant. On va d'abord faire la liste des transferts. On a fait monter les petits jeunes. Donc toi, au revoir. Toi... Oh, il est en fin de contrat en plus. Allez, hop. Toi, tu viens de monter du centre de formation. Tu dégages. T'es en fin de contrat. Fin de contrat. What? What? Fin de contrat, fin de contrat, fin de contrat, fin de contrat, fin de contrat. Ils sont tous en fin de contrat. Je vais faire comment, moi? Ah, mais en... Oh, what? Non, mais attends, mais là, ça va être un bordel. C'est-à-dire que je peux même pas faire du mercato, faut que je garde mon pognon pour renouveler les joueurs. C'est un sketch. Tous mes joueurs, les trois quarts sont en fin de contrat. Bon, je vous montre le mercato. Je vous montre un peu. Waouh, ça va être compliqué. Du coup, Jibril Agirrezabala. J'ai pris mon temps pour pas lui défoncer son pseudo. Athletic Bilbao, 22 ans. C'est que des, il y a pas de titulaire, hein. C'est que des réservistes ou remplaçants qui ont pas de temps de jeu. Hein. On a taffé en interne. Il y a lui qui me plaît beaucoup là. Il a 30 ans, mais regarde ça. Lutte contre anticipation. Il est à l'US Palmas. Ça peut être bien. À Andorre, on a un défenseur central, mais c'est pas lui que je voulais. Je crois que c'est lui. Lui, là. 35 ans. Alors, il est très vieux. Hein. Lui, il va faire une ou deux saisons. Mais là, t'as un monstre. T'as un monstre derrière. Lui, mon gars, force, passe longue, détente, agressivité, prise de tête. Tu mets sur une... Lui, en vrai, dans une charnière à 3, vraiment le mec central. Mais là, tu joues avec un vrai bloc, une ligne défensive très très basse. Ah, lui, il est monstrueux. Hein. C'est Tarin, je crois que je voulais. Enfin, c'est lui que je veux. Tête puissante, t'as glissé du aérien. C'est lui que je veux, 26 ans. Et il coûte, on sait pas. Il a 3 millions de clauses, mais... Avec tous les joueurs qu'on a en fin de contrat, il y a moyen qu'on fasse un petit prêt. Un échange, plutôt. J'ai mis Samper, pareil, Andorre. Vous voyez, c'est que des Espagnols. Hein. Je crois pas que j'ai même mis un autre. Ouais, mais est-ce que... en vrai, j'ai un bon gardien. C'est si vraiment j'ai... un gros... comment ça s'appelle? Une grosse bourse, j'ai réussi à faire un bon mercato. C'est pas une priorité, je l'ai mis. On voit. Mon gardien, il est bon, hein. C'est vraiment pas la priorité, là, c'est un BU. Un BU, un défenseur central. Et après, au milieu, si on a une opportunité, pourquoi pas. Waldo de Tenerife. 4 de geste technique, 4 de mauvais pied. Tir puissant, technique, intuition, foulée rapide, extérieur du pied. Et lui, mon gars. Samper, oui, il joue pas à Samper du Barça. Non, Andorre en plus. Il est prêté, c'est un joueur prêté? Non, il est pas prêté. Attends, j'étais... Non, le seul joueur du Barça, c'est lui. Mais il est réserviste, lui, il joue pas. Ah ouais, un ancien gros crack. Ah bah, frérot, c'est tellement un crack. Hein, voilà où il a atterri. Voilà, il est en Andorre. La gueule du crack. La gueule du crack. Il a 28 ans, il a 38 de vitesse, le type, hein. Je l'ai mis. Pourquoi je l'ai mis? Ah oui, c'est pour qu'il joue devant la défense. Voilà. Il est très lent, mais devant la défense, ça fait une mini sentinelle. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Parce que je vais peut-être changer de jeu. On est en 4-4-2 pour le moment, mais peut-être que je vais modifier. On a mis Martinez, Serrano. C'est quoi son truc? Résiste au pressing. Peut-être bien ça. Peut-être bien. Bueno, Waldo. Alors, Waldo, lui, en vrai, il y a moyen. On va voir, mais possible qu'on fasse une offre. Stoïkov, lui. Lui, j'aimerais trop. Lui, on va pas se mentir.
J'aimerais trop. Parce que tir en finesse, tir puissant et intuition, c'est un mec pied droit, tu le mets à gauche, tu fais rentrer intérieur, il peut te faire des trucs comme Golovin, les mêmes buts. Il rentre son pied, hop, lucarne opposée, merci, vous avez payé votre ticket, saluez-moi et c'est terminé. Il y a lui qui est pas mal aussi. Mais lui, ça sera un prêt. Un petit jeune, là, 17 ans. Peut-être même un prêt sans option d'achat. Juste un prêt comme ça pour nous aider. Et que lui, il ait du temps de jouer. Comme ça, il repart après au Real Betis. Il fait sa vie. Soriano, Gomez, Romero. Donc, on a lui, là, qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Si je passe sur un schéma à 3 devant, il peut être intéressant. Et lui, qui est au Royal Antwerp. Donc, il est en Belgique, 16 ans, français. C'est le seul, je crois, c'est le seul que j'ai pris qui n'est pas espagnol. Le seul. Mais, quand tu vois celui-là, son petit résumé. Alors, je peux pas lui faire une. Enfin, je peux pas aller le superviser pour le moment. Mais vitesse, accélération, détente, finition, puissance de frappe. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Yo, Isma, comment ça va? Yo Benji, eh oui la D2 espagnole, ça y est. Après la D3 allemande, on fait la D2 espagnole. Comme ça, on a deux grosses carrières. Sur du long terme. Au moins du moyen terme. Donc on va faire au moins 4-5 saisons. Sur les deux carrières. On fera Monaco, bien évidemment. Pas tout de suite. On se la garde peut-être pour le début d'année, Monaco. Et puis voilà. On fera pas de gros clubs cette année. Pas de gros clubs. On fait des petits, on les fait monter. On se fait kiffer. Et ça va bien se passer. Antwerp en Ligue des Champions, c'est cruel. Bah ouais, mais ils ont gagné leur place. Mais lui, c'est pareil. Lui, c'est un réserviste. Hein. Il a 16 ans. Il joue. Il est même pas remplaçant. Rien. Il apporte les protège tibias. Il nettoie les protège tibias. Hein. D4 anglaise. Je l'ai un peu fait beaucoup sur les autres FIFA. On aime bien prendre la difficulté. On fait pas de gros clubs. C'est rare quand je fais des gros clubs. Hein. Entre guillemets, gros clubs. Il y a que Monaco que je joue parce que c'est mon club de cœur. Donc tous les ans, il y a forcément une carrière à Monaco. Mais sinon, c'est très très rare que tu me verras jouer avec une grosse écurie. Très très rare. Sinon, on part toujours au fin fond là. Et on construit petit à petit. Et ça se passe bien. Ligue 2, on fera peut-être Concarneau. C'est pas sûr, mais peut-être que je ferai Concarneau cette année. Club breton qui vient de monter, c'est cool. À voir. Du coup, objectif à un BU, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire d'aller me chercher un putain de BU. Après, est-ce qu'on reste du coup? Parce que lui, s'il joue sur un schéma à 3 devant, rappelez-vous, lui peut aussi jouer sur une aile. Et on a. Il est où? 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 C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Merde, j'ai perdu. C'était pas Waldo. Merde, j'ai perdu. T'as fait les joueurs sans club? Non, pas encore. Mais bon, à part avoir 15 millions de Qataris et toute l'équipe mexicaine, parce que y a pas dans le foot, dans le jeu, donc ils sont obligés d'être en libre. C'est pas ouf. Martin, 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 Martin. J'ai envie de passer à 3. Cette année, je sais pas ce que j'ai envie de jouer à 3 défenseurs. C'est un délire. Cette année, c'est grave, hein. Mais genre, je prends Martin Osmar, tu vois. Bon, lui, on verra, hein, on a dit. Mais je peux changer ma défense, mais c'est pas la priorité là. En vrai, là j'ai un Waldo que j'aimerais bien. Stoïkov. Alarcon. Et si je reste sur un 4-4-2, je vais chercher lui. Il est nickel, Nuna. On va déjà faire la pré-saison, on verra. C'est Monaco, je sais pas, je te jure que cette année j'ai envie de jouer à 3. Eh hey, vas-y, fin de championnat, on est troisième, c'est bon? On joue les barrages. Plan d'entraînement.
Ah ouais, putain, je l'ai pas fait ça. On va rester en standard. Oh, attaque, on a 8. Est-ce que avec l'équipe actuelle, je peux partir sur mes trois défenseurs? 36 de vitesse. Oh la vache, ah ouais les gars. Vous forcez aussi, hein. 60, c'est déjà un peu mieux. T'as quoi? T'as 25, 26 ans toi? 28 ans. DD. 52. Lui, il peut monter d'un cran. Et lui aussi. C'est-à-dire que je peux jouer. Il prend plus 1. Il prend plus 1. Ils peuvent jouer DD, DLD, MD. Et l'autre côté, pareil, DG, DLG, MG. C'est-à-dire que les deux là, je suis pas obligé de les vendre, je peux les garder pour jouer dans un schéma à 3. On joue en 3-5-2. Est-ce que je joue avec 3-5-2, je joue avec deux attaquants ou avec une pointe? On peut faire un 3-4-3, hein. Attends, on peut faire un 3-4-3 là. Parce que là, 3-5-2 comme ça. Ça, c'est vachement trop offensif. On peut jouer comme ça. Je peux jouer comme ça et mes deux pistons. Ça peut être bien ça. Ça me plaît beaucoup ça. Il faut que je regarde mes deux attaquants s'il y en a un qui est fort de la tête. C'est mort. Ça peut être bien. On a un gros volume de jeu au milieu de terrain et on a les deux pistons pareils qui peuvent full switcher. Après, il faut voir l'endurance. Endurance 87. Endurance 60. Eh. On peut, hein? On peut, hein? Jouer comme ça aussi, ça peut être intéressant. Après, ça fait très très défensif. Si je fais ça. Les pistons, ils ont de l'endurance. C'est-à-dire que défensivement, on va être stable. Et offensivement, je fais monter les deux. On apporte un surnombre de ouf. Là, c'est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire mes ailiers, je les fais rentrer. Mes pistons, je les fais déborder. Ça, j'aime bien, hein. On va faire ça. Et on va mettre l'autre aussi. On va tester les deux. On va mettre ça pour le moment. On changera après.
Voilà, comme ça on a les deux schémas. Sachant que si je suis comme ça en début de match, je peux swap hein, un ailier qui passe MOC et un qui passe BU par contre. Il me faut un ailier qui est capable de jouer potentiellement BU. On va regarder celui-là. Celui-là, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Du coup, Matos, Navarro, ça bougera pas. Donc, on les met en DLD, DLG. On n'a que Sierra. Pied droit, pied gauche. On me dit pied gauche. Pied droit, pied gauche. Et deux droitiers. Par contre, j'ai plein de milieux qui vont me servir à rien là. Avec des joueurs droitiers. Non, c'est pas bon ça. Je le garde. Là, il faut tout chambouler. C'est-à-dire que tous mes milieux. En moins un. Ah, ouf quand même Espio. Hein. Ah, est-ce que j'en ai... Est-ce qu'il y en a un qui est fort de la tête là? Détente 70. 64 précision tête. 72 précision tête. Avec une détente de 79. Nino peut jouer seul en pointe. Donc lui, il faut qu'il reste devant. Fasse des appels et lui va venir décrocher. Sachant qu'il est rapide en plus. Ça c'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Chaise, Munoz. Munoz, il y a peut-être un peu mieux, non? Il n'y a pas un peu mieux dans l'équipe? Nous, c'est très défensif. Et bah, c'est Andy qui monte et Munoz qui reste. Ok, on peut faire ça. Alors, défensivement. On peut. Loin devant, non. Oh, c'est standard en vrai, je crois. Je vais pas mettre sur les ailes parce que même si mes pistons ils montent, on va avoir quand même 3-4 joueurs au milieu de terrain. Tiki-taka, c'est mort. Oh, c'est standard. Style défensif. Ah, il veut rester que comme ça? Ah!
de mettre ça, mais ça va pas avec le truc. Là, je peux le mettre. Donc, on jouera contre-attaque. Pourquoi pas. La contre-attaque, mon Ebossé, il va être un peu perdu. La largeur, 45, c'est bien, vu qu'on est à 5 derrière. Profondeur, on peut monter à 50. En attaque... Là, la largeur, on va augmenter à 60. Allez, 60. Joueur dans la surface. Bon, là, il faut mettre du monde. Parce qu'on aura le MOC. Là, on met 4. Coup franc, 4. On garde quelqu'un derrière, quand même. Tout le monde à la surface. Non, quelqu'un aux abords. Rôle El Capitoun. Alors El Capitoun, on verra. Coup franc. Je crois que ça va être lui de toute façon. C'est le meilleur joueur. Ah. Ok, c'est Sanchez. Non. Continue modification. Penalty. Alors par contre. Oh, Andy 4. Quoi? 82 Andy en penalty. Pardon, monsieur. Notre milieu de terrain. Et bah Andy hein. Et Sanchez partout. Attends, mon capitaine, il faut que je trouve. Capitaine, c'est Cordoba. Pourquoi Cordoba? Je mettrais bien Andy hein, en vrai. Je mets Andy, capitaine. Allez. Du coup, Nino, tu vas être. Il faut qu'il soit devant. J'ai rien à mettre pivot. Ouais, on va laisser en mix. C'est lui par contre. Alors tu redescends pas au milieu de terrain. Toi, tu vas dans la surface. Tu t'es libre. Andy, on a dit que lui, il monte pas. Il reste aux abords. Munoz, par contre, lui va monter. Pareil, aux abords. Là, attaque. Tu rejoins et tu débordes. Tu rejoins, tu débordes. J'ai envie de dire rester axe. Et c'est Bermejo qui va tourner autour de lui. Je vais faire un appel dans le dos, il va redescendre. Ouais, quoi que non, il faut qu'il décroche aussi. Il faut qu'il soit les deux. On va faire ça. On va tester comme ça. Par contre, niveau mercato, c'est-à-dire que les milieux droit, milieu gauche, tout ça, ça dégage. Parce que là, on change.
Alors, matos. Ouais, il y aura du taf là aussi, hein, en vrai. Hein. Bermejo, du coup, il est passé attaquant. Martin peut dépanner. Lui, on va le vendre. Lui, on va le vendre. Andy, on le garde. Apin, on le dégage. Munoz reste. Faut qu'on le renouvelle, lui, par contre. Lui aussi, 19 ans, 62, faut qu'on le renouvelle. Sanchez, c'est notre milieu offensif. Lui, on transfère. Lui, pareil. Lui, on verra. Peut-être on peut le garder, on verra si on a des offres intéressantes. Et là, alors toi, frérot, tu pars. Et on a Nino. 22 ans, Nino. Intéressant. Oh putain, mais t'es nul! Licencié recruteur. 30 000 balles. Ouais. Ouais, il est nul. Ah, là, c'est tout mon budget qui part dans... Ouhouhou. Non! On va attendre. Le centre de formation, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Attends, je peux savoir ses stats à lui, là? En vrai? Oh, regardez ses stats. Hein. Est-ce que lui, vous voulez bien me le prêter? Ah non, vraiment! C'est pas cool. Oh, les bâtards! Et Romero, je l'ai gardé ou pas? Ah, on est en train de superviser lui. Bon, on va attendre un peu alors. Il est en fin de contrat. MC, MOC. Une grosse clause, hein. Buemo. Où es-tu, mon Buemo? Il vaut pas très très cher. Il est réserviste à Séville en plus. Oh oui! Il voudrait bien me le prêter, potentiellement. Let's go! Dans l'idéal, ouais, c'est d'avoir les notes, mais là, il y a des trucs que je cherche déjà. Vu que j'ai déjà travaillé en amont, il y en a certains. Ah, est-ce que je fais prêt avec option d'achat ou prêt de 2 ans? Ils veulent bien. Ah ouais, du coup, c'est 1 an déjà. Ok. Frère, vous avez des thunes, vous. Ils sont d'accord pour le 60-40, ils ont pas chipoté. Ok. Alors 1,2 million.
1 million 2, sachant qu'il vaut 1 million 7 de base. Et 4% à la revente. 4% je lui donne hein, s'il veut. Est-ce que eh, on est potes. Est-ce que tu me fais une petite fleur, 1 150 000 ou pas? Ah non, c'était bien 1 200 000, c'était bien 1 200 000, je reviens. Non, c'était bien 1 200 000. Je te redonne tes 4%. Je te remets comme tu disais. Hein? Mais... Il me dit 1 200 000, 4%. Je lui dis non, je dis un truc, je reviens sur 1 200 000 et 4%, ce qu'il voulait. Il me dit bah non, maintenant c'est trop tard, il veut autre chose. Ok, BMO, je reviendrai te chercher, la tête de la mer, je reviens. C'est un ouf, il a cru que j'étais là pour blaguer, lui. Mais ouais, j'ai voulu négocier, faire ma pince, comme d'hab. Toi, je te veux, toi, tête puissante du aérien, t'as glissé, sachant qu'il pourrait dépanner à droite. Mais j'ai pas de... Attends. On teste toujours les prêts, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Lui du coup dans mon schéma à 3 derrière... Bah c'est bon mais pas tout le temps apparemment. Prados, je crois pas que je l'ai gardé dans ma liste, si je l'ai gardé là. Monsieur Prados, Benat Prados Diaz. Un défenseur central qui peut dépanner MC, MDC. Oh, il a une bonne connaissance défensive. Hein. La lucidité défensive, elle est pas mal. Ça coûte cher, par contre. Ça coûte cher. Ça coûte 2 millions. On teste, on s'en fout. On est la première journée de Mercatal. Si ça marche pas, on reviendra à la charge après. Je te fais un échange de joueurs. Je peux te donner... Qui c'est qui a une valeur, là? Le gardien, il a 75. Il est trop fort. J'ai un bon gardien, c'est bien, ça. Ça, ça bouge pas. Je suis obligé de les garder, eux. Les latéraux, Matos, ça bougera pas. Gonzalez, c'est ma doublure. Lui, c'est le petit jeune, mais on s'en fout. Milieu de terrain, c'est là qu'en fait on peut faire de la pépette. C'est là qu'on peut faire de la pépette. Oh, je te donne un pain. J'en veux pas de lui. Vas-y, je te le donne. Il a une valeur en plus. Et je te donne. Un million. Un million. On commence à 1 million. Je peux monter à 1 million 5. Ander Martin. Martin, il joue ou pas? Merde, les gars, faut m'aider. Martin. Il joue chez moi? Je connais pas encore mon effectif, c'est horrible. C'est horrible, Ander Martin. Est-ce que je l'ai dit que je voulais le garder ou pas? Martin, est-ce que je l'ai mis dans mon effectif? Benji, tu te rappelles ou pas? Oh putain. Ah non, il est pas titulaire lui, c'est celui qui peut me remplacer. Qui peut remplacer mon défenseur gauche, je crois. J'ai Matos, qu'on a dit qu'on la mettait à gauche. À droite. Oh putain, attends, Matos.
Matos Navarro. C'est Matos Navarro. Martin, j'en ai pas besoin. Martin, je suis d'accord du coup. Ouais, mais je voulais le garder en doublure, c'était pas ça? Attends. Je crois que je voulais garder, mais seulement en doublure. Mais bon, là, je peux avoir un putain de joueur. Si je paye que 600 000, je suis d'accord. Il veut 3%? Bah, j'accepte. La tête de meilleur, j'accepte. Alors là, mon pote. Alors là, mon pote. On a un putain de défenseur axe pour 600 000 balles. Oh. Je retiendrai la petite fleur qu'il nous fait et tout ça. Il va être important. Pas décisif s'il te plaît, pas décisif, juste important. Yes! Yes! 4 ans, voilà, il veut s'inscrire dans la durée. Du coup, c'est 5 ans ferme. Voilà! Oh mec, tu vas devenir un joueur clé. Oh non, il veut une clause. Non, 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 non. C'est 5 millions, l'année prochaine, le mec, il part. Non, non, je rejette la clause. Là, non, c'est pas négociable, ça. Je te donne un peu plus en salaire, si tu veux, mais pas de clause. Ah, je peux pas. Il veut 4 500 en salaire? Attendez. Attendez. Il a 7 000 normalement de salaire. Il descend à 4 500. Est-ce que 4 000. Je suis une pute, mais est-ce que 4 000. Et en plus, je viens de lui dire, je pourrais te donner un peu plus en salaire, vu qu'il n'y a pas de clause, et je lui réduis encore son salaire. Je suis un connard. 4 600. 4 200. 4 200. 4 200, je paye le café. Le café 4 200. On prend tes 4 500, ne casse pas les couilles. Maintenant il veut 4 600. Oh, c'est un fils de pute. Ah ouais, mais je lui ai dit que je pouvais lui donner plus. 10 000. Faut pas que je fasse le... Ok. Oh, j'ai cru qu'il allait me dire non, je veux plus. Parce que j'allais dire... Faut pas que je fasse trop la pince. Parce que lui, je le veux, ce gars, ce défenseur. Bah bon, on vient de faire un bon coup là. Là, je suis content de moi. Je suis très très content de moi. Let's go. Par contre, Bolo, faut lui mettre ses lunettes, hein. Il a des lunettes, monsieur Bolo. Hein. 600 000 balles, le mec, je l'ai. Un dé? J'aurais pu gagner ses 150 000. Ouais, oh, ça va, ça va, ça va. Donc là, j'ai un bon défenseur. Il me faudrait un latéral qui joue des deux côtés. J'ai pas ça. Parce que j'ai Martin qui peut jouer à la droite du coup. Je dis Martin parce que je viens de dire lui, je suis con. Lui il a 35 ans, mais je serais presque chaud à aller le chercher en vrai. Hein.
Osmar, il me faut Osmar. Where are you, Osmar? Je l'ai pas. Merde. Osmar, attends, je vais le chercher vite fait en 2-2. Ouais, Osmar, c'est bien, Osmar, hein. C'est solide, hein, sur le bonhomme. Après, ça court pas, quoi. C'est un Maripane. Et encore, Maripane est plus rapide que lui, je crois. Attends, attends, je vais comparer avec Maripane. Lui, ça peut être notre Maripane à nous, hein. Guillermo, Maripane. Ah non, Maripane, il court moins vite que Osmar. Ah non, ils sont presque pareils. Oh, ils sont quasiment pareils. Du coup. Ah, Osman, Osman, Osman. Tu veux combien, toi? T'as un petit salaire, enfoiré. T'as un petit salaire, hein? Il est en fin de contrat. Bon, alors là, mon pote, si t'es en fin de contrat A, oh, je vais te proposer un kebab et 8 tickets resto. C'est tout. Oui, tu le fais rentrer en cours de jeu, mon pote. Quand tu dois tenir un résultat, et bam! Échange de joueurs. Je dois avoir un ou deux pingouins à te donner, par contre. Bouge pas. Je dois avoir quelqu'un. Oh. Je te donne Badiachil. C'est honnête, non? Ah non, pas Andy, c'est le capitaine. Ah non, pas Andy. Ah non, je connais pas mon effectif, mais pas Andy. Non, non, non. Non, non, non. Je pourrais lui donner lui, mais il vaut trop cher. Lui, il a de la valeur. Toi, je te garde, toi. Moi, je te garde. Sanchez est mon défenseur. Lui, je viens de le faire passer BU. Je peux te donner lui. C'est dommage qu'on peut pas donner plusieurs joueurs. Je t'en aurais donné deux. Alex Sancry. Je crois que lui, je peux te le filer. Et je te donne. $470,000. Allez. Pour un joueur de 35 ans, frérot. Il fait 1 million maintenant. Oh, je te donne lui. Oh, je te donne lui, j'en veux pas. Non, j'ai, je voulais enlever l'argent, j'ai oublié. Non, 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 je voulais lui donner 2 millions. Non, 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 je viens de me faire escroquer. Non, je voulais lui donner juste le joueur, je lui donne 1 million. Non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je viens de me faire baiser. Oh non. Oh non, 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 s'il vous plaît. Oh, je suis un fils de pute. Oh mais non, mais là, je suis dans la merde, hein. Je viens de faire le con, hein. J'ai payé un joueur 2 millions alors qu'il a 35 ans. Mais non, non, non. Ah, si je quitte, ça fait quoi? Est-ce que j'ai une mini sauvegarde qu'il y a eu ou pas? Oh.
Chaos Mare est là. Ok, on recommence juste avant. Bon, faut renégocier lui. Ah, je m'étais mis dans la sauce là. Fais chier, je vais bien renégocier lui en plus. Je sais même plus ce que j'avais fait comme échange. Ah, oh, je me suis niqué. Attends. Du coup, je vais virer l'autre tout de suite. Prado, c'était combien? Faut pas que je fasse le con là. Faut que je me focus un peu. Ah, j'avais pas payé 600, j'avais payé 600 000, je me rappelle. J'avais payé 600 000. Mais je sais plus qui c'est que j'avais mis comme joueur. Ah, c'était Martin, c'était le Martin. Bah voilà. Il reveut le même joueur. Il reveut le même joueur. Vas-y, je te les donne tes 5%. Ouais, on va pas traîner. On va pas traîner. Oh, l'autre, j'en reviens pas. Le mec de 35 ans qui joue à Séoul, je lui ai donné 2 millions. Putain, quel débile. Important, oui. Vas-y. 5 ans, on avait dit. 5 ans. Voilà. Pas de non, on avait dit non. Ah, bah, il a baissé son salaire à 4000. Ah, bah, alors là, mon pote. Ah, par contre, la prime à 40 000, je l'avais pas vu celle-là. Eh, frérot. Attends, c'est quoi cette prime là de signature à 40 000? Non, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Hein. Oh, vas-y, je te donne une prime à 13 000, j'augmente, mais nique ta mère aussi. Hein. Comment ça, accepte? Je vais donner 40 000 de prime de signature, non? 23 000. Attends, on négocie à 20 000. Déjà, je lui donne 100 balles de plus par mois, par semaine. Qui n'était pas prévu. 20 000. Ok, c'est voilà, vamos. Bon. C'est bien fait pour ma gueule, c'est la pénalité, je lui donne 100 balles de plus par semaine. Voilà, ça m'apprendra. Ça me va. On a refait la même. Quasiment. Non, pas toi. Bon, du coup, j'ai peur d'aller avec lui là. On se trompe pas cette fois-ci, s'il vous plaît. Ah, j'aurais dû faire une sauvegarde, au cas où, que je misclique. Échange de joueurs. Je te donne lui. Pour 1 million, voilà. Basta. Ah, j'ai plus de café. Voilà. Je paye même pas. Alors, le mec, il est content. Il a un attaquant jeune. Et moi, je récupère un vieux. Lui, c'est notre Maripane, hein, je vous le dis. Et je te jure, hein, s'il faut tenir un résultat, tu le fais rentrer en fin de match. C'est The Wall. Ah, décisif. Non, bah non, du coup. Non, important. Oh, ta mère! Il va être chiant. 2 ans. Pas de clause. Ah, par contre, salaire. Osmar. Salaire, t'as combien en salaire? T'avais un gros salaire, je crois. Ah, il a 6000 de salaire, ce fils de flûte. 3002. Et 10 000. Okay, il n'a pas dit non. Hein. Il n'a pas dit non. De 7 000, il passe à 4 000. Allez, 20 000 et c'est, ça me va. Par contre, le décisif, il va me faire chier quand il jouera pas. Oh non, frérot. Oh, dose, hein. C'est 20 000, c'est tout, hein. Ah ouais, je préfère. C'est bon. Ok. Eh, il est accueilli. Il est accueilli. Quand je vous ai dit, c'était notre Maripane cette saison. 35 ans.
Est-ce que vous connaissez des streamers qui font des qui recrutent des joueurs de 35 ans, vous? Il faut un MOC, du coup, en doublure, par contre, obligatoire. Alors, qui c'est que je vais aller chercher? Lui, ça peut être bien. Tir en finesse, technique, intuition. Ah, c'était Soriano que je voulais. C'est lui, là. Alors, on est en train de superviser, déjà. Il me faut un BU. Yo, la perle! Ça va ou quoi? Romero... Lui, ils veulent pas me le prêter, hein. Ouais, ouais. Et lui non plus. Ah, l'Arcane en prêt, mais il veut pas. J'aimerais trop, hein. Sachant qu'il jouera jamais, en plus, hein, avec le Barça. Hein. Il jouera que dalle, hein, le type, hein. Mais ils veulent pas me le prêter. Non! Ah, si. Lui, il pourrait me faire du bien. Achète. Bah, donne les sous aussi. À l'Arcon, ça coûte combien? Ça coûte cher à l'Arcon, hein. Oh, le salaire, j'ai pas vu le salaire. Il est à 22 000, son salaire, c'est mort. Jamais de la vie, je donne 22 000 à un mec. Attends, je regarde, du coup, le français. Il faut que j'arrive à l'échanger. Il faut que j'arrive à l'échanger pour que le salaire que je vais devoir lui donner, qui est super haut, il soit amorti dans le transfert. Le truc, c'est que qui sait qu'il y a de la valeur dans mes joueurs que je veux pas. Lui, j'en veux pas. J'invite un enculé, hein, t'aurais pu me le prêter. Hein. Ça me tente. Ça me tente. Attends, Lopez Pinto, il me coûte combien en salaire, lui? Il a 2000 seulement de salaire. En vrai, sa Belgique, j'aurais pu lui donner un autre joueur. Sa Belgique, il a un plus gros salaire. Bon, je vais le garder pour après. Ça me ferait une monnaie d'échange. Là, j'ai envie d'accepter en vrai. Hein. Et si je retire, tu me dis quoi? Ah oui, forcément, c'est plus cher. Ah oui, bah oui. Ah là, du coup, remettre 1 million en plus, ça me va pas. Hein. Vas-y, je te donne tes 10%. Parce que maintenant, il faut que je donne plus, sinon il va me dire nique ta mère. Et 400 000. Oh, ils sont d'accord.
Ça, c'est bien ça. Alors, par contre, tes 22 000 de salaire, frérot, tu les auras pas, je te le dis. Hein. On n'est pas le FC Barcelone, nous. On est Burgos. Hein. Ah, c'est une madame, du coup, son agent. Je te paye le resto, madame. Tu me fais une petite ristourne parce que 22 000, je te paye pas 22 000 ton joueur. Hein. J'avais envie de dire rotation, mais on va dire au moins important. Ah, t'as vu, je fais un geste. T'as vu, j'ai fait un geste, madame. Tu feras un geste sur le salaire, hein, j'espère. 5 ans ferme, par contre. Hein. Voilà. Pas de clause. Ah, c'est bien, très bon agent, j'aime. J'aime, ouais, ouais, ouais. C'est là maintenant qu'il faut négocier, là. Ah, il a baissé à 15 000. De 22, il baisse à 15 000. Mais ça serait quand même mon plus gros salaire. Si je dis pas de conneries, mon plus gros salaire. C'est Sanchez à 9 000. Il veut une prime de but. Alors ça, non. Ça, on descend à 100 000. Et je te laisse tes 15 000 dans ces cas-là. United avec Ten Hag dans l'heure. Ten Hag. Oh là là. Tu veux vraiment pas là? 100 000 s'il te plaît. Tu vas me coûter cher. Il a intérêt de mettre des buts, hein, je vous le dis par contre. Hein, 15 000 balles de salaire. Il accepte. Je te jure que t'as intérêt de planter des buts, hein. Parce que au prix où tu vas me coûter, il va falloir avoir un amortissement sur les résultats. Oh, c'est le joueur le mieux payé du club maintenant. Barcelone, ils abusent aussi avec des salaires. Le mec, il est réserviste. Il joue jamais, il lui donne 22 000. Oh, on a eu un A, pas mal. Ah, il va être titulaire, hein. De toute façon, Bermero, tant pis, il va redescendre. Donc là, j'ai mon BU. Il me faut mon putain de latéral. J'ai un latéral, un DC. DD. Il me faut un DG. 18 ans, Gariel. On est en train de superviser, donc on va attendre. Après, j'ai validé de ce que je connais, toi. Il y a Buemo que je veux. Hein. Buemo, faut retourner. Lui, du coup, on n'en a pas besoin. Mais on le gardera quand même parce que Waldo, très très bon. Je veux dire, sauf s'il me le prête, on peut faire un effort. Attends, mais... C'est Buemo qu'on avait pris tout à l'heure, là? Que j'ai dit que je voulais me mettre sur le côté? Eh, Buemo, c'est un joueur moyen. Je suis à deux doigts d'aller sur Stoïkov en fait là. Stoïkov, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Waouh, c'est super cher Stoïkov. J'avais pas vu. Et Stoïkov, il vient, c'est. C'est lui le maître du jeu. Hein. Je crois qu'on va rester sur Buemo. Hein. Il est en comment, lui? Il est en élevé en offensif en plus.
Ah, lui, il a des stats de zinzin. Merde, il est où? Si je le compare avec Buemo. Ouais, Buemo, c'est plus dans nos cordes, hein, niveau salaire. Et Buemo, il est moyen partout, quoi. C'est pas un excellent joueur, mais il est moyen partout, donc tu peux en tirer. Parce que lui, il va me coûter une couille. Hein. Il va me coûter même trois couilles, hein, Stoïkov. Ah, il est en fin de contrat, par contre. Qui dit fin de contrat dit on ne paye pas à son prix. Il me restait un défenseur, je crois. Ah, lui, c'est un Vegic. 4 millions, il va m'enculer. Il va m'enculer. Oh. On en avait deux si on en a plus qu'une. Lui, j'avais dit que je voulais le virer aussi. Il va me dire non, mais bon. De toute façon, je peux. On va arrêter. Je l'aurai pas, Stoïkov. Tu veux un joueur à 1,9 million? J'ai Bermejo du coup qui était en BU. Mais vu que je viens de recruter Alarcon, je lui propose lui. Bermero, je l'avais mis, il est passé de MG à BU, parce que j'en avais besoin. Je viens de recruter Alarcon. Au salaire que je vais lui payer, je suis obligé de le mettre titulaire. Donc lui, il sort des plans de jeu. Et il a une grosse valeur marchande. Sachant qu'en soi, il me demande pas beaucoup. Hein. 1,9 million, la valeur de Cordoba, plus 1 million. Parce qu'ils savent que Stoïkov, il est en fin de contrat. Attendez, je tente un, la tête de mer que je tente un truc. Si ça marche pas, bah tant pis. On ira sur Buemo, c'était le premier choix de tout à l'heure. Je lui laisse 10%. Ah, c'est dommage. On a failli réussir un coup là. C'est pas possible, monsieur. Pas possible. Du coup, on va aller chercher Buemo en prêt. Ça reviendra moins cher. Un an. On avait dit, c'est toi qui payes 60. T'es d'accord. Et 1 million... C'est combien? 1 million 4, non? C'est pas ça? Ah oh, mais j'ai plus de sous, du coup je peux pas le faire mon transfert. Oh putain. Ah vas-y. Merde, j'avais pas vu. Ah putain, je suis deg. Bon, on va attendre un peu. C'est pas grave. Du coup, Bermero. Alors attends. Bermero, je peux te mettre sur la liste. Et toi aussi. Oula, on perd 2 en milieu, mais 2 en plus en défense. Ok.
toute façon, là, tout le monde à fond là. Vous avez cru quoi, les gars? Début de saison, go, hein. Ah, mais lui, j'ai un TGDD, lui. On va pouvoir avancer un petit peu. Une offre de transfert pour Bermero. Voilà. Il est au meilleur de sa forme. Atienza. Atienza. Équilibré. Ah, mais il va perdre du tranchant. Il a 24 ans. Il a 24 années. 3 millions. Allez, 3 millions. Ans, 70 de général. 2 millions 7. Tu veux pas faire un effort? En vrai, 3 millions. Un petit bâtard, hein, avec ton gros nez là. Bah tant pis pour toi. En vrai, 3 millions, c'était pas beaucoup. Hein. Je serais triste de partir. Écoute. On regarde ce qu'on peut faire, des pistes. On ne souhaite pas partir. Toi, je te garantis pas du temps de jeu. Andy, le nouveau El Capitoun. J'ai hâte. Et Baker qui vient d'arriver. Tu peux faire mieux. Tu vas partir de toute façon aussi. Je ne compte pas te garder. Stoïkov, ça y est. Le truc. Coûte cher, hein. Très cher, hein, Stoïkov. Hein. Sergi Samper. 1 million 4. Passe courte, lucidité défensive, c'est bien. Hein. Tu veux combien toi? 1 million 4. Je vais te garder. Levante, pareil, qui veulent. On va négocier. Peut-être pas 4 quand même, mais voilà. Allez! Ah, lui, il négocie pas! Ah bah, nique ta mère. Ah, lui, il a dit non. Je négocie rien du tout. Ok. C'est ton choix. Titi, des clubs italiens. Ouais, y a rien qui me haït. Cagliari de Genoa, c'est pas mal. Mais l'Azeron, c'est ok. Après, c'est pas ouf. Là, il n'y a rien. Là, il n'y en a aucun qui me plaît. Autant là, ça va. Là, il n'y a rien qui me plaît. Et là, les Queen's Park. Frosinone, pourquoi pas. Ça fait pas bander. Hein. En vrai, le mieux, c'est lui. Mais là, j'ai besoin de pépettes. On va prendre les pépettes. Quand il n'y a rien qui te machin, prends les pépettes.
Elche, 2,6 millions. Plus ça va, plus les offres sont, hein, sont basses. Elche, ils ont pas un joueur, tiens. Attends. Vous avez pas un... Ils ont 3 DG. J'aurais bien demandé un de leurs défenseurs, mais... Ah, 2 750. Lui, il négocie. 2,9 millions. À 2,8 millions, on signe. Hein. Ah, je l'ai dit. À 2,8 millions, on signe. On dit 2,9 millions pour avoir 2,8 millions. C'était cool. Bon, bah voilà. Il ira à Elche. Neuf pour Baker. Ah, c'est mon petit jeune, là, de 54. 52. 280 000. Ouais, vas-y. Je vais pas le négocier. On pose le sélectionneur. Bon, on va doser. 270 000. Bah, non, si l'autre dit 280, tu t'alignes. Surtout que t'es venu après. Donc tu t'alignes, obligé. Voilà, comme ça le joueur aura le choix. Il ira là où il voudra, le petit Baker. Et il a choisi. Il a choisi où, on ne sait pas, mais il a choisi. Ah non, c'est Bermero ça déjà. Bon bah voilà, je la donne des pépettes. 2,8 millions, je vais récupérer 1,9 million normalement. J'espère. Ah bah si, Baker. Baker part au Bohemian. Et bah bon vent à toi mon petit. Bon vent, bon vent. Alors, on prend moins 1. Oh, moins 1, moins 1. Alors, on prend 190 000 et... Ah, 2 millions. J'ai dit 1,9 million, on prend 2 millions. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Du coup on a 3 millions. Qui c'est qui vend des maillots? Oh merde, Bermero il vendait beaucoup de maillots. Oh, Sanchez et Nino. Nino quoi. Mais Alcaron va rattraper. Je pense. On a 2 millions 8. Non non, 3 millions 2 budget actuel. On va peut-être pouvoir recruter du staff. Ou ouvrir un centre de formation. Hein? Raoul Navarro, c'est qui? C'est qui lui? Comment ça se fait que sa clause a été levée? C'est qui Navarro? Ah non, bah non, bah non, non, non. Ah non, 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 on négocie. Bah non, Navarro, c'est mon latéral titulaire, c'est mort. Sachant qu'il peut jouer DD, DLD, MB. Hein, c'est mort. Décisif, t'es titulaire indiscutable, toi. Tu re-signes 3 ans? Il va dire 2, je pense. 2 ans. Comment ça, pas de prolongation?
Arrête, hein! Oh frérot, ne fais pas ça, pas toi, pas maintenant. Ok, il accepte. Non, pas close, je rejette la close, je veux pas. Je peux te donner 300 balles de plus par de salaire. Ça te va ou pas? Mais je te donne de 4000 de base pour commencer les négociations. J'étais prêt à lui donner 4300 balles. Parfait, il reste chez nous. Continuons. Ouais, c'est bon aussi, hein. Les clauses là. Mais oui, reste en forme, mon petit, reste en forme. Eh, Bouemo, il a signé ou pas? Attendez. Il a accepté. Il a pas encore accepté. Il a pas. Ah non, on avait refusé. Ah oui, on n'avait pas assez de salaire. On peut lui refaire une offre. J'ai 3 millions de... Vas-y, on retente. Parce que tout à l'heure, on a mis clic, quoi. On avait plus de sous pour lui faire son option d'achat. Donc un an, forcément. Tu prends 60. Ah non! Commence pas! Prends 60. Ah vas-y, 50-50, vas-y. Mais tu me fais un rabais sur la clause, hein. L'option d'achat, tu me fais un petit rabais, obligé, hein. 1,2 million, du coup. Ah, si je prends 50% de son salaire, tu me fais une ristourne, hein. 1%, vas-y, prends-le ton pourcent. Là, il voulait juste avoir le dernier mot, hein, 6 de flûte. Il s'est dit, ah ouais, on négocie, il fait, c'est moi qui ai le dernier mot. Tu me donnes 1% à la revente. Il m'a fait une ristourne sur son option d'achat. Bouemo, s'il te plaît, accepte de venir. Ça, c'est bon. Robert Correa. C'est qui ton Robert Correa, là? Un DD. Bah non, j'en ai pas besoin. Bon, physiquement, il est bon. Techniquement, c'est pas ça. Du coup non, déjà on bloque les offres sur Navarro, c'est mort, on vient de leur prolonger, donc c'est pas pour le faire partir maintenant. Donc hop. Ouh. Oh ça y est, tous les rapports. Ivan Gariel, lui je le voulais, je m'étais hypé à aller le chercher. Il y a une bonne petite réactivité, tacle debout 65, dribble 70, c'est bien, tacle glissé 67. La lucidité, ça se travaillera un peu. 800 balles de salaire. Ouais, Gariel, je m'étais hypé, c'est pas pour rien. Soriano, bah non, c'est mort. Maintenant. Quoi qu'on a pris Bouemo, c'est un milieu axe. Toi, c'est mort. Toi, c'est mort. Hop, on efface. L'iso milieu gauche, bah non. Parce qu'on a changé le schéma, du coup j'en ai pas besoin. Serrano, on vient de prendre Bouemo, c'est mort. Romero, c'était le BU. Mais on a pris Alarcon. Ouais. Il en faudra peut-être un troisième quand même, parce que vu qu'on a vendu Bermejo, j'ai échangé le troisième attaquant. Ah, il faut peut-être qu'on aille chercher un attaquant. Il me faut un mec, un petit jeune. Martinez, c'est mort. Yo, Ninou! Ça va ou quoi? Javier Hernandez. Non. Vitolo, pourquoi pas. Il peut jouer que un poste.
peux passer moi aussi, toi. J'ai besoin d'un MOC ? Je sais plus. Oui, oui, il me faut un MOC. Oui, oui, il me faut un MOC. Passe court, passe long, conduite de balle. Ouais, ça aurait été intéressant, mais on a pris Buemo en prêt. Peut-être l'année prochaine, par contre. Waldo, ouais, Waldo, il va me faire craquer. Waldo, il va me faire craquer. Oh là 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 là. 90 de vitesse. Oh. 80 de puissance de frappe. Waouh. Ah ouais, Waldo, il rigole pas. Hein. Sachant qu'en plus, il est en fin de contrat. Tarine, bah non, on n'a plus besoin. Merde, je l'ai effacé carrément, je l'ai viré du truc. Allende, on n'en a pas besoin non plus. Bon, Waldo, je l'efface. On n'a pas de BU, du coup. On n'a pas de BU, faut aller chercher un BU. Il nous faut un BU obligatoire. Et là, il me faut... On va prendre un pain. C'est con parce que du coup ça me fait que des pieds droits. Bah c'est pas un génie ça. Par contre ma carrière joueur Liverpool a fait un coup de génie sur ce mercato. Ils ont pris qui? Osmar pied gauche, bah ouais. Je vais devoir le faire jouer là, titulaire. Avec ses 39 de vitesse. Guimarães, ah. Après, est-ce que Guimarães a envie de partir de Liverpool, de Newcastle? Après, Liverpool, ça fait rêver. Hein. Mais il a pas prolongé Guimarães d'ailleurs récemment à Newcastle. J'ai plein de défenseurs là, ça va pas. Lui, il va dégager, j'ai dit. Hein. Lui, il part. Donc quoi qu'il arrive, il me faut un autre mec. Je vais prendre lui. On n'a pas de banc, les gars, on n'a pas de banc. Ouais, j'ai besoin d'un BU là. J'hésite à aller chercher le français qui joue dans le championnat belge, un petit jeune. Mais j'ai peur que ça soit limite parce que là il me faut vraiment un troisième attaquant dans la rotation parce que j'avais que un autre BU, je l'ai vendu, enfin je l'ai échangé, et j'avais un milieu gauche que j'avais fait passer BU, mais il avait une valeur marchande et il me fallait des pépettes, du coup je l'ai vendu. Du coup si je retourne sur ce que j'avais préparé, il y a lui quoi. Mais j'ai peur que ça soit léger. Et Romero, sortie de banc, 69 de général, en endurance. C'est pas décisif, quoi. Lui, je peux ou pas? Ça va? C'était bien ta soirée? Vous avez picolé? T'as vu ce que je t'ai dit hier? Ouais, pas de en fait, on rigolait et tout. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on va remporter au TPL, on a fait jouer et tout, et on n'arrivait pas de faire jouer tout. Et on a tout simplement, on jouait vraiment plus quand on est à la petite couchée, on va parler. Couché à 3h. Ouais. Quel pissou celle-là. J'ai
C'est Alvaro. Alvaro. Chercher joueur. Eh, déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Chercher joueur. Déjà, on va faire un truc, les gars. On va chercher un attaquant. En agent libre, on va voir s'il y a un truc. Alors forcément, déjà, hein, Qatari, tout ça, c'est mort. Il faut l'espagnol. Espagnol ou français? Bon, bah voilà, au moins, t'as Muntari. Lui, c'est honteux qu'il soit là. Hein. Ouais, on va aller chercher directement. Ah. Du Real, Real quoi, Real Betis du coup. Conduite de balle, vitesse. Attends, à moins qu'il soit en milieu offensif qu'il considère comme ça. Ah non. Agilité, vista, conduite de balle, accélération, vitesse. Pourquoi il est pas là? Bah écoute, je sais pas. Et pourtant, j'ai téléchargé la dernière version. Hein. La dernière mise à jour de SC24. Bon, nationalité, genre, on va mettre espagnol, quoi qu'il arrive. Il est prêté, je pense. Attends, je vais chercher un truc. Hein, regarde, ce que je vais faire. Je vais aller là, je vais taper Club Real Madrid. Alvaro BUAG réserviste. Mais il est uruguayen. Alors pourquoi si je tape Munoz. BUAG Juan, non. Oh, c'est bizarre. Bah ouais, c'est bizarre qu'il est pas dedans, lui. Il est réserviste à Madrid. Ah ah! Ah ah ah! C'est louche! En plus, je suis sur la dernière mise à jour de Ye, donc. Mais uruguayen, du coup, déjà. Donc, pas bon. On va prendre un espagnol. Attaquant. Avant, Niaki. Il est en fin de contrat? Fin de contrat, liste des transferts? Les gars, lui aussi? Ah, par contre, il court pas. Ah, par contre, c'est un papy, lui. Hein. Lui, ça va, lui, c'est un papy. Hein. Ok. Apprêté, il y a quoi? Peter, oui, mais c'est un ailier. Oula. Avec une clause, il y a qui? Balanecha! Non, je rigole. Le mec, il s'est hypété. Allez, go! Benito! Vitesse, accélération, passe-court, détente, conduite de balle. T'es sûr que t'es BU, toi?
Ah, détente, vitesse, fort, dribble, puissance de frappe. Miguel Berry. Fin de contrat. Ah. Attendez, hein. Attendez, hein. Attendez. Monsieur Berry. Tu es là. Il a 65 de général, 68 de potentiel. Ah non, t'es un peu lèche pour... T'es un peu lèche. Oh là là, c'est dommage. Il y avait un truc. Campus à nous. Eh, descends, Talia. Le chien qui monte sur la table, en fait, il met ses pieds comme ça et puis on me regarde. Je dis descends, mais il écoute pas. Non mais oh. Pissouze. Marc Cardona, Las Palmas. Là, tu vas me coûter cher, toi, non? Toi, tu vas coûter très cher. À Las Palmas. Attends, j'ai ton os, regarde. Je te vois hein, entre les deux écrans. Chiki, chiki. Chiki, chiki. 62 minimum, 64. 62 de finition aussi. Eh, ça peut être pas mal. Fin de contrat. Chiki, attends. Moi je vais regarder hein. Il est où Chiki? Ah, c'est lèche, putain. Ah oui, il doit avoir les notes là où c'est pas bon quoi. Ah, c'est trop lèche. Trop lèche ça. Trop lèche ça, monsieur. Etienne. Vitesse, détente, force, penalty, précision, tête. Ah, j'ai déjà un joueur de tête. Finition. Agilité. Ouais, encore. Finition. Ah, attends. Villarreal B. Détente, précision, Forest. C'est parti, hein. Ah, il a 64 de général, mais pas très cher. Pas très cher. Il a une bonne, ouais, il a une bonne tête, une bonne détente, une bonne tête, mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas ce profil-là. Force, détente, finition. Mais il n'y a pas juste finition. Oh. Précision tête, puissance de frappe et finition. Ça peut être déjà un peu mieux. Igino. Di-da-da. Ah non, pas du tout. Ok, tant pis, hein, tant pis, tant pis. Hein. Compliqué là de trouver le bon BU qu'il me faut. Bon, oh, ça c'est mort. Ça c'est un AD. Ah, Nino, il est de chez nous. Il est de chez nous le type. Noël. Ouais.
Il y a beaucoup quand même de détente, précision de tête, mais il n'y a pas un vrai finisseur, quoi. Ah ah! Si vous en avez un à me proposer, je suis preneur. J'AFK 5 minutes, les gars. Je reviens. Hop! Je fais ça. Et je reviens tout de suite.
Ouais, re, désolé. Attendez, je remets la cam. Hop, le téléphone, je vais le mettre là, du coup. Hop. On est en partie. Du coup, on était en train de chercher notre attaquant. Faut un troisième avec une finition. Placement offensif, finition. Ah, lui, il a une petite finition. Puissance de frappe. Après, il y a toujours des joueurs de tête, quoi. C'est un délire en Espagne, hein, en D2. Volée, finition, tir de loin. Puissance de frappe. Puissance de frappe, finition. On va faire le premier match comme ça et on va attendre. Là, de toute façon, c'est que des joueurs de D2, donc en vrai, il va coûter trop cher, non? Il a enfin un contrat. Ah, mais il est bon, enfin, physiquement, il est bien, mais techniquement, il est nul, quoi. Non? Puissance de frappe, finition. Non, il a l'air bien, lui. Sergio Léon, attendez, attendez, je vous dis ça, et puis hop, d'un coup, bizarrement, on trouve. Alors, hop. Sergio Léon, 34 ans, qui joue à Elche justement, qui nous ont acheté un joueur. 34 ans, il peut peut-être me faire deux petites saisons, non? T'as combien d'endurance? 69, donc ouais, sortie de banc, pas plus. Pas plus, pour dépanner, essuyer une couille. Léon, je prends. Je mets bien sur le côté. Oh, trop cher. Oh, il est approché par Leganés. Oh, c'est déjà acté, il a déjà le logo. Là, il a déjà le logo. Pas mal lui aussi, Povda. Povda aussi, pas mal. Intéressant. C'est pas exceptionnel, hein. Mais voilà quoi. Sinon lui qu'on avait fait superviser tout à l'heure. Placement offensif 63 quoi. Ouais, il coûte trop cher lui.
Donc Bouémo, on attend. Du coup, il y avait lui là. Sergio Léon. Lui a un gros placement offensif. On a 1,3 million, c'est pas dégueulasse. Vas-y, on fait le premier match. En plus, comme ça, on va tester les nouveaux sliders. Et on va voir ce que ça donne. Donc, 4-2-3-1. Elle a tendance à reculer. Nous, on joue en contre-attaque, hein, on rappelle. Bon, allez, on est parti. Premier match. Let's go. Il commence à être temps. Hein. Caron, Sanchez, juste. Oui, si on avait fait les changements là. Peut-être lui. Physiquement, il est bien pour une fin de match. Ça peut être intéressant. Allez, go! Cette fois-ci, c'est parti. En avant. Premier match de la saison. Oh, on n'entend pas beaucoup les... Bienvenue à tous, nous sommes ravis de nous retrouver ici pour cette rencontre et c'est encore plus excitant de le commenter dans un lieu aussi emblématique qu'un club. Ici, Benjamin da Silva et un des Oula. L'homme qui a osé pousser sa carte de visite à Léo Messi. Oula. Premier duel dans cette repère international. L'ambiance est déjà au maximum. On ne doute pas qu'il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est une très bonne chose pour tester votre effectif, mettre en place à le collectif et évaluer les qualités individuelles. Et voilà la composition officielle de cette formation. Et on va s'intéresser à la composition de cette équipe. Ah Oula, ouh, un... Oula, ça frise. Ouh, c'était dégueulasse, ça. Et c'est parti pour le coach, là, c'est aujourd'hui. Ah, par contre, les commentaires, ils sont pas forts du tout, là. Oui. Pas mal, hein. Je le sens déjà au niveau des passes. C'est carrément moins précis que d'habitude, tu sais. Hein, sur FIFA FC24, les passes c'est un peu automatique, ça atterrit dans les papates. Là, je te garantis que si tu doses pas bien ton joystick, la passe elle arrive jamais. Hein. Putain, la vache. Ouais, faut être précis. Hein. Ah là, je voulais du côté RP. Oh, allez, vas-y. Oh, oui, j'ai dépassé. C'est le Brésil. Ça pousse quand j'accélère trop vite. Là, je crois qu'on tient un truc par contre. Attends, volume commentateur, faut augmenter là. Là, je crois qu'on a sur les passes déjà, on a un truc. Directement en touche. Ah, voilà, c'est mieux. Il y a deux ballons sur le terrain. Et c'est l'heure donc de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Je vous jure que les passes, il faut être à droite.
Et oui, ah, si tu misclics ton joystick, ta passe elle est carrément à l'opposé de là où tu veux la mettre. Hein. Il faut aussi une capacité à relancer court, trouver des passes dans les diagonales. La défense centrale, c'est la première étape pour bien attaquer. Peut-être qu'il régage la caméra, du coup, fait que ça fait laguer parce qu'elle est en train de chercher. Donc c'est pas les réglages de base. Attention, pas de faute. Hein. Peut-être quelque chose sur ce ballon. Voilà, c'est propre ça. Défendu, sans faute. Entre les deux. Ça arrive. Ouais, c'est pas mal. J'ai l'intérieur, c'est dommage. Le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça m'est pas juste. C'est un jaune orangé, hein. Pardon, j'ai pas fait exprès. Oui, là, voilà, c'est le fait que j'ai changé les trucs de caméra. Qui font que ça saccade un peu. Si je mets le suivi de ballon à 0. Peut-être parce que j'ai mis à 1, ça fait ça. On va voir. Avec de l'espace. Encore, oui. Comme favorable. Face à ce bon pressing. Penalty, non ? Et l'arbitre siffle et désigne le point de penalty. Ah ouais. On l'avait vu, hein. C'est plus une main qu'il a fait là. Ah, c'est un gaucher en plus mon tireur, ah bien. Let's go! Le premier but avec Burgo sur cette carrière. Sur penalty, mais premier but. Allez. Pas de réaction, ça va être compliqué. Regardez, il a pas bougé. Un pari osé de rester au milieu. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Sinon, je remettrai les paramètres de base sur les caméras, si vraiment c'est ça qui fait bugger. Donc, il met des frises là. Et oui, il est récupéré ce ballon. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Il passe pas. Oh non. C'est hyper ambitieux de tenter sa chance sur de loin. C'est quoi ce concours? La frappe est vraiment mal ajustée. Oh merde. C'est mal joué. C'est bizarre. Message for Jay Cheatham. Hello Jay. Celebrating your birthday. Happy birthday Jay from all of your friends. Moi je vous jure les passes c'est un enfer mais je trouve ça trop bien. Parce que du coup là on va avoir pas mal de passes ratées. Voir sur l'adversaire s'il fait pas. Oh non, c'est pas possible. Par contre, à la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Entre les deux, ça passe ou pas, non, pas du tout. Et le ballon est finalement intercepté. On tente, hein, on tente des trucs. Est-ce que eux ils ratent leur passe aussi, l'adversaire? Est-ce qu'ils galèrent ou pas? Il y a un peu d'espace. Ils sont toujours aussi forts. Ouais. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Le ballon en touche. Encore en opposition. Oh, voilà, je l'ai remis, pareil. Attention, mal maîtrisée. Et attention, parce que biscotte, ça peut nous valoir des ennuis. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal.
mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ça ne trouve pas le cadre, mais de cette position, c'est vraiment difficile. Angle aussi fermé, la frappe, ce n'était peut-être pas la meilleure décision. Ah, le ballon qui va changer de propriétaire. Ça, c'est horrible par contre quand ça fait ça. Le ballon finit dans leurs pieds. Il y a un paramètre caméra que j'ai changé qui est pas bon. Ouh. Attention à cette frappe. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est un tu te mets un peu de côté et déclenche la faute. Qu'est-ce que c'est bon, Mac. Ok. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Et voilà, c'est la mi-temps de ce match à Anfield. On a mis un petit peu zinzin par contre. Hein. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et la récupération du ballon. De merde. C'est bien fait, la bonne progression. Attention, tomber dans le score peut-être. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le changement est demandé et il a lieu. Ça s'appelle de trop. Il y a danger parce que là il y a un centre et le centre n'arrive pas à destination. Le centre en retrait dans la surface. Ouais, très bien défendu. C'est confirmé, c'est donc Arsenal qui met la main sur ce nouvel élément. Et voilà, fin de la telenovela. Tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Pour aller fixer dans l'axe. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Et le tir. Ils sont encore un peu cheatés quand même les trucs à faire ça. Peut-être pouvoir modifier 2-3 trucs. On joue bien mais. Pourquoi ça saccade là par moment, c'est horrible. C'est quoi ça? Et voilà wow. Le but. Le tir ça va au fond quoi. Mais par contre là les trucs de caméra déjà c'est pas possible hein. Le remplacement peut avoir lieu. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Ça fait aussi. Vraiment. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace.
ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Ouais, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Ouais, c'est très bien défendu. Bon, j'ai encore là le truc de l'espèce de faute frise. Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Excellente défense. Oui, il faut frapper maintenant. Oui, la parade. Voilà, changement donc. Corner, et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Allez, la possession du ballon est bien maîtrisée en attendant l'ouverture. Ah, ballon rendu à l'adversaire. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Ouais, allez, ça. J'ai touché un truc, hein, vraiment. Je sais pas ce que j'ai fait. Il est là, là-dessus. Oh, c'est sur la barre. Le ballon heurte la barre transversale. Je sais pas ce que j'ai branlé. Transversale, sortante, admissible. Quelle frappasse! Franchement, si c'est dedans, on se déshabille. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Vous voyez ce truc là, c'est... en vrai c'est vrai. Hein. Excellente couverture. Ah, il faut pas d'erreur. Il y a des trucs à changer. Il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Regardez, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts depuis que j'ai changé les sliders au niveau des passes eux, que l'inverse. Parce que moi je galère parce que mon joystick là, mes trucs à moi ils sont bons. C'est que si je glisse pas bien avec mon joystick, la passe n'ira pas là où il faut aller. Par contre, il faut que l'adversaire fasse des erreurs de passe aussi parce que sinon. Propre ça. Oui, il y a la place pour un bon centre. Un redoutable, la pression défensive, impossible de cadrer la tête. Ah, c'est un ballon mal relancé. Attention à ne pas se faire surprendre. Quoi, ça là. Ça, il n'y avait pas avant. Du coup, je sais pas si c'est un truc de caméra ou autre. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ouais, c'est un ballon qui est bien donné. Le centre donné en retrait, bien joué. Ah, ça part très bien. Allez, let's go. Et oui, et pourquoi pas. Tout n'est pas fini. Plus qu'un petit but pour égaliser. Voilà, on le dit toujours, le centre en retrait, c'est le centre idéal parce qu'il est très difficile à défendre. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là.
3-2, donc au tableau d'affichage. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. C'est horrible cette petite saccade, vraiment. Hein. Voilà, donc on... un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Il ne faut pas d'erreur de passe. Et la bon belle parade là. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. Corner. Alors, je viens de passer devant, dommage. Sans aucun effort pour le gardien. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Ballon pour égaliser. Et le ballon repoussé dans la... Let's go, let's go. Ouais, au moment où il y a sa frise. Le ballon relâché et derrière ça ne pardonne pas. Go. Bon, faut jouer avec ce problème. Oh, même le coach il vient, incroyable. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles. Il faut aussi un peu de réussite. Et voilà, leur coach exprime sa joie avec tout le vent de touche sur cette égalisation. C'est magnifique, ça. Ah, ça fait donc 3 partout. Quel match! Okay, on est bien revenu. Hein. Fini avec ce match qui n'a donc pas trouvé son vainqueur. Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire pencher le match en sa faveur. Prends plus un au milieu. Bueno a accepté d'être prêté. Ah, ça c'est bonne nouvelle par contre. Contusion au coude, ouais. Donc c'est par rapport au truc de blessure. Par contre, faut qu'on aille là. Paramètres. Alors. On va augmenter à 60. Alors dans... Attends, il n'y avait pas, je suis déjà à 60 déjà. 65. Le petit Bouemo qui arrive en prêt pendant un an. Voilà, parfait. 50-50 sur la répartition. Le transfert pour Elie Zabal. Yo Gunther, tu avais pas dit vers 13h? J'ai plein de choses, moi. J'ai plein de choses. C'est pour vous rester à l'affût. Ah oui, d'accord. Bah non, lui, il part pas, par contre. Rejeté. Composition, du coup, toi tu pars, Bouemo tu rentres, ça va être Jig qui va venir là, hop. Ah merde, il est baissé 5 jours, du coup il peut pas jouer le match là. Faut encore faire un match. Mes recruteurs, là on se bouge le cucu s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir des informations. C'est quoi les maillots là?
T'as la chance, Kira, hein. Tu devais pas jouer, tu joues finalement. Tu seras sur la feuille de match. Malin le petit, hein, malin. Choisissez une tactique, choisissez une stratégie, préparez-vous à ce que rien ne se passe comme prévu, car le football, c'est ça, c'est pas des maths, c'est le destin. Mais est-il vraiment prévisible? Le roi aussi facilement. Le plus beau des sports ne cédera jamais son coup. Qui va prendre le dessus dans ce choc? On va découvrir ça. Salut à toutes et à tous, quel privilège de vous retrouver depuis... Alors, du coup, direct, vu que ça vient pas de là. Vitesse, on va remettre à 1. On va mettre à 5. Peut-être celui-là qui fait chier. Il était à 15, on va le mettre à 0. On va voir. Ça se trouve, c'est lui qui fait freeze. On teste. Les tribunes d'Old Trafford, on est dans l'un des temples du football. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Da Fonseca. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Sacrée atmosphère en tout cas, on est servi. Oui, deuxième match de phase de groupe dans cette compétition de préparation. Ouais, c'est l'occasion de faire des nouveaux essais au but de la saison à venir. Ça va être très intéressant. Que j'ai touché. Allez, vas-y, faites. Oh, le tir. Un tir brossé et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. Alors, la proposition officielle de cette formation. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. C'est difficile à négocier et ce ballon sort. Le ballon qui est perdu. C'est horrible, horrible. Un ballon rendu à l'adversaire. Allez, contrer cette frappe. C'est une transmission interceptée. L'intervention est ratée. L'arbitre donne bon carton. Sur la ligne, hein. Voilà, attends, parce que je veux c'est toujours cheaté ce truc-là. Le centre au second poteau. Oh là là là. Ça me rend dingue. Ça faisait pas ça hier. Là, j'ai fait des trucs. Ça me nique. Hop là, tu vas chercher terrain, toi. Un bon travail sur l'aile pour toucher le bloc adverse. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ah ballon capté sans problème. Ça va me rendre dingue, je vous jure. À un moment donné, ça m'énerve. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Oh, dommage, il a bien trouvé la zone. Ça passe à côté du cadre. Ouais, bien fait, la bonne récupération.
et le centre vers le second poteau. Et le danger est éloigné. Soulet. Ouais, regarde, c'est... pourquoi ça fait ça? Vraiment, j'ai pété un peu, je vais m'énerver. Il faut centrer là-dessus. Et un ballon dans la profondeur. Et il peut y avoir danger là. Un ballon sur la transversale, attention. Pas, la récupération haute, le pressing est payant. Ah, le ballon est mal donné et c'est perdu. Récupéré. Oh, bon pressing. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Et non, le ballon ne trouve pas le cadre. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 0-0, match pas fini. Attendez, peut-être. La tête là, peut-être un centre. Oh. Lirola. Soulet. Mathias Soulet. Je vais pas tenir toute la journée avec des frises comme ça, je vous le dis. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Attention au pressing là. Et voilà le coup de sifflet donc pour la mi-temps. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Soulé. Et c'est une frappe. Ça patasse au haut. C'est sur la barre transversale et ça finit au sifflet. Parce qu'entre la puissance et la précision, la frappe à distance est inarrêtable. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Et l'arbitre qui intervient pour une position de hors-jeu signalée. Oh, dommage, c'était le geste parfait ce centre. Et un changement donc. Aïe, la mauvaise passe s'est rendue directement. Ah, c'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait maintenant. Le transfert est acté. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une pépite du football mondial. Bon, ok, il commence à faire des erreurs de passe par rapport au dernier match, c'est pas mal. Parce que nous, on en fait, eux aussi. Il y a vraiment ce problème de frise là, depuis que j'ai changé les caméras. C'est la merde là. C'est pas possible.
Oui, ce ballon est intercepté. Soulé. Oui, la belle incursion là. Ah, il vient fixer vers l'intérieur. Ah, et les supporters attendent la frappe. Et le tir. Attention, il y a danger là. Ah, le danger est écarté. Il est en jeu. Munoz. Let's go. L'ouverture du score. Et les voilà donc qui mènent maintenant. Ce n'est pas vraiment un duel. C'est une gifle qui finit au fond de filet. C'est pas une jambe. Il rentre, enfin il vient de marquer. Merde. Je vais pas le sortir, si. Après, il est claqué, hein. Ouais, c'était sa dernière. C'était sa dernière. Oh, on dit peut-être... Oh, Alarcon, il est cramé de chez cramé. Alarcon, il est cramé, le monsieur. Attends, je regarde un truc là. Si je fais contrôle Alt Supre, c'est quoi qui nique là? C'est le jeu en lui-même. Ah, j'ai un pilote à changer. Ça vient de là peut-être. J'ai une mise à jour pilote. Ok, je serai après. Possible, ça vient de là les frises du coup, et pas de mes réglages caméra que j'ai changé. J'espère toujours parce que sinon, ça va être compliqué. Le premier but de ce match donc 1-0 au tableau d'affichage. Regardez ça. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ah, passe devant, passe ton pied. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Pardon. Ouais, la transversale pour changer de côté. Le ballon change de camp. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Pas fait exprès. Aussi. Ah là aussi. Pour l'adversaire. Il a vraiment projeté le pied. Le carton jaune là qui va rester dans la poche de l'arbitre. Plutôt un avertissement verbal, c'est mieux. Il y a du soutien en attaque. Oula. Le ballon sort en 6 mètres. Ah là, j'ai dit. Je sais si je mets pas bien. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Trop moyen ce centre des pénaltys. La faute est signalée par l'arbitre. Penalty bien frappé.
cette image, ce péno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était parti du mauvais côté. C'est très bien tiré. L'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif. Oh mais vas-y! Avec le free ça va tout niquer! Putain! Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ah, il prend sa chance de loin! Et finalement, aucun problème là pour le gardien. Et ça presse bien. Sous la pression et donc le ballon finit par sortir. Putain, il joue un putain de frise de ouf là au moment où j'accélérais sur mon contre. Ça rend dingue là aujourd'hui, ça rend dingue, je vous jure. Avec le peu de temps qu'il reste. Si une équipe marque, ah là là, la faute, c'était une vraie occasion là. La faute là. Maintenant, la sanction de l'arbitre. C'est l'arbitre s'y met. C'est bien frappé dans la surface. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Anti-jeu, c'est rouge. Anti-jeu, hein. C'est incroyable, c'est dangereux. C'est anti-jeu total. Il devrait logiquement sortir un carton. Ah ouais, c'est oh, sûr. Le carton rouge. Attention, parce que cette exclusion peut tout changer dans ce match. Attends, là j'allais au but. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Mais je peux pas. Ah non, mon bouche, je vais m'énerver. Ballon en profondeur. Je vais m'énerver, je vous jure, je vais m'énerver. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Mais non! Le coup de sifflet final est... Je repasse ça en semi, c'est impossible. Et dans le public, c'est la bronca, les supporters en veulent toujours à l'arbitre pour cette exclusion. Bon. Je reviens, je vais faire un petit pipi. Thank you.
Bon, je suis mitigé, je sais pas ce que je fais là. Parce que vu que ça lag à mort. Il est sur la liste des transferts en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rosit. C'est dommage, hein. Je me tâte à lui faire une petite offre. Il est 13h. En vrai, 13h, 13h, ça fait combien de temps qu'on live là? Parce que ça me saoule le truc de lag. C'est 3h. Je vais cut là, je vais essayer de retrouver le bordel. Puis je vais profiter pour graille. Et si ça remarche, je relance. Ok, on fait ça. Ce sera peut-être mieux parce que là, je peux pas jouer toute l'après-midi comme ça. Dès que j'ai une accélération, ça freeze. Alors que ça faisait pas hier. Donc c'est un poil chiant. Donc on va sauvegarder et quitter. Je vais essayer de corriger ça. Je vais manger. Et si tout se passe bien, bah je reviens sur FIFA, sur FC24. Ok ? Bon allez, les gens, bon appétit à ceux qu'on peut encore manger. Et si tout se passe bien, à tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, des bisous ! Ciao, ciao !